Jeudi à jeudi 27 septembre 2018, tout le monde compte rentrer la caravane capable pour dépôt. Deuxième, pratiquement quatrième sortie téléjournal pour semaine. C'est là, mais principal point capable pour pas essentiel pour matin jeudi 27 septembre 2018. Là. Président de la République, Jovenel Moïse, rencontré hier soir, membre de la communauté haïtienne à New York, dans Hilton Hotel, qui trouvait dans Spring Valley. Pendant la rencontre, le président de la République, Jovenel Moïse, expliquait la communauté haïtienne ensemble travail administration qui a réalisé en Haïti. Premier ministre Jean-Henri Séyen a organisé mercredi 26 septembre passé à deuxième conseil gouvernement dans primature. Chef gouvernement a renouvelé l'engagement pour le faire appliquer déclaration politique générale dans l'intérêt population. Jimmy Albert installé jeudi à hier mercredi comme directeur cabinet premier ministre Jean-Henri Séyen, chef gouvernement exprimé confiance et une capacité directeur cabinet pour lui faire travail il y a atteint dans mes lieux. Voilà, c'est ensemble un point sur campilote cabinet fait essentiel le journal là pour jeudi à n'a pas vite été branché n'a pas tourné dans quelques secondes pour développement information ça à campilote encore. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. On peut souhaiter tout le monde une bienvenue dans le développement information. Et j'ai qu'un annoncé là dans ensemble Titio n'a pas démarré pour nous faire qu'on a un président République la Jovenel Moïse rencontré hier soir membre communauté haïtienne à New York dans Hilton Hotel qui trouvait dans Spring Valley pendant rencontre si là Jovenel Moïse expliquer communauté haïtienne ensemble travail administration y a pas réalisé dans pays a. Plusieurs membres de la communauté haïtienne ont exprimé satisfaction pendant que souhaité le président de la République, Jovenel Moïse, continuer à faire des efforts pour permettre à Haïti de prendre place dans le Conseil national. Nous avons noté pour vous que c'est jeudi 27 septembre 2018 là, que le président Jovenel Moïse a pris pour prendre la parole sous tribune Nations Unies. L'autre information, Premier ministre Jean-Henri Séyen a installé Jimmy Albert comme directeur cabinet mercredi 26 septembre passé. Le chef gouvernement dit qu'il croit en capacité directeur cabinet pour lui faire travail à partir d'un milieu. Nous avons vite suivi un reportage qui peut être signature Anne Marguerite Auguste. Cérémonie installation est occasion pour Premier ministre Jean-Henri Séyen expliquer raison qui fait le choisi Jimmy Albert comme chef cabinet. Chef gouvernement dit qu'il déjà vive une partie dans le travail d'Imi Albert dans les affaires politiques, ce qui permet de découvrir la capacité dans plusieurs dimensions. Le Premier ministre l'a rappelé le travail capitaine chef cabinet a, pendant l'y encourager pour entretenir une relation serrée avec le secrétariat général, le secrétariat privé et puis l'autre direction qui a facilité un résultat plus efficace. Il faudra entre autres tâches. Diriger mon cabinet et un rapport étroit avec le secrétariat général de la primature et mon secrétariat privé, faire le pont avec les services pertinents de la présidence, vous mettre à l'écoute et en support au ministre, être la courroie de transmission entre mon cabinet et les parlementaires et les autres acteurs organisés de la société civile. C'est une œuvre titanesque à laquelle je vous convie, mais je le fais en toute confiance. Le cœur ouvert, avec la plus grande sérénité, car je vous en sais capable. Je compte sur vos grandes capacités pour m'aider à assurer la gestion de la barque gouvernementale. Vous pouvez aussi compter sur ma disponibilité et ma volonté de vous mettre en parfait état d'accomplir cette noble mission. Nouveau chef cabinet a promis pour le mettre dans le niveau de travail capitaine Léon. Les sollicités supportent tout l'autre technicien pour arriver faire atterrir déclaration politique générale Premier ministre là. Et dans l'exercice de mes responsabilités de directeur du cabinet, je serai à vos côtés ferme, fidèle et loyal pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre déclaration politique générale et la conduite de la politique de la nation. La mission est lourde. Les responsabilités énormes et les défis immenses. Nul ne saurait tout faire, ni réussir seul. Je serai ouvert à l'écoute de vous tous, chers collaborateurs, pour les suggestions, les recommandations susceptibles d'assurer la réussite et qui nous permettront d'opérer
les nécessaires redressements quand les pendules ne marqueront l'heure correcte dans nos tableaux de bord. L'erreur est inhérente à toute action humaine. S'ouvrir aux critiques constructives, c'est se donner les moyens de rectifier quand il y a lieu et de changer ce qui est à changer en préservant les acquis. Chef cabinet Premier ministre Lan dit la prêté ouvert pour tendre tout secteur dans l'idée pour rapprocher plus toujours primature à bon côté population. Merci avec collaboratrice Anne Marguerite Auguste qui t'a présenté nos reportages ici là. On a continué avec l'information pour nous faire connaître le président de la République, la Jovenel Moïse, rencontré hier mercredi 26 septembre, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, dans même occasion, 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies, pour parler sur l'état avancement State Staff Monitoring des programmes qui étaient adopté en février entre Haïti et FMI. Chef l'État qui a soulevé incident 6 à 8 juillet après te gain un ajustement qui était fait sous prix gazio, a insisté sur la nécessité pour mettre campé en Haïti un programme social urgence qui répond à besoin de la population haïtienne, surtout pour les citoyens qui sont vulnérables. Puis loin, le président de la République, Jovenel Moïse, a noté l'importance pour FMI et le patent technique financier Haïti améliorer le programme de soutien développement côté l'État de Wevin plus efficace et plus bien aligné sur sept axes prioritaires administration. Premier ministre Jean-Henri Séan a organisé mercredi 26 septembre le premier conseil gouvernement leader primature. Chef gouvernement a renouvelé l'engagement pour faire appliquer déclaration politique générale liée à l'intérêt de la population. On a pu suivre un reportage toujours ensemble avec Anne-Marguerite Auguste. Dossier enquête Petro-Caribé, coordination et gestion équipe gouvernementale là, gestion relation avec l'autre pouvoir, lutte contre corruption et contrebande, relation avec la presse, création travail, c'est quelques sujets qui étaient dans le temps des bails. Premier ministre Jean-Henri Séan fait connaître, conseil gouvernement c'est un espace coordination, suivi et encadrement action gouvernementale là. Li rappelé ministre déjà gain 10 jours depuis yo dans fonction. Li encourager yo voyer un signal clair sur capacité yo gagner pour améliorer condition la vie population. Le peuple a des besoins urgents. Il y a des questions essentielles à l'ordre du jour de la nation pour lesquelles nous sommes condamnés à trouver et mettre en œuvre des réponses concrètes dans un temps record. Le peuple n'a pas qu'à attendre. Il va juger nous bien et bien vite sous base signal n'a voyé kounyer sous capacité nous pour nous manier problème pays. Et comment nous allons régler ça que vous régler tout de suite pour nous résumer j'aime l'espoir dans cette population. C'est job non. Dortelis family. Travail, réfléchis, parler, mais surtout action. Chef gouvernement a annoncé mise en place un plan principe qui chita sur 5 points. Cap faciliter plus cohésion dans le cabinet ministériel là et puis bien coordonner action lio. La cohésion de l'équipe gouvernementale. Nous sommes l'équipe gouvernementale. Une équipe est une organisation particulière pour atteindre un ou des buts communs. Deux, la gestion unitaire des relations avec les autres pouvoirs de l'État. La cohésion crée l'unité. L'unité en tout, et en particulier l'unité du gouvernement dans ses relations avec le Parlement et le pouvoir judiciaire. Trois, la confidentialité, la discrétion et le respect du code déontologique. Face à la multiplication au foisonnement des réseaux sociaux et des risques qui en découlent, nous devons tous redoubler de vigilance pour assurer la discrétion de nos personnels et une stricte confidentialité dans la manipulation des dossiers publics. 4. Les relations avec la presse et les médias en général. Avec l'explosion des médias sociaux, la presse est encore plus qu'avant véritable pouvoir. Le quatrième pouvoir. 5. La formation. Différentes institutions, différents outils et instruments sont à notre disposition pour nous appuyer dans l'apprentissage et l'exercice de nos fonctions de ministre.
Pour Premier ministre, l'événement 6 et 7 juillet montre méfiance peuple là dans dirigeant Lyo. Dans ce sens, il m'a démunition pour travail pour rebâtir l'espoir dans la nation haïtienne qui pouvait n'y pas attendre encore. Dans le cadre de la deuxième journée, séminaire finalisation programme modernisation de l'État 2023, Office Management Ressources Humaines ou MRH organisé, professeur René Desroches fait qu'on est, c'est pas seulement un programme élaboration, mais tout, c'est un programme pour mettre promesses en application, membre communauté élaboration à suivi PME 2023, mettez accent sur aspect financier programme li assis. La parfait suivi et yon évaluation pour garder si tout ça qui dit dans deux journées séminaires là yon rivé respecté. L'autre information, président commission conditions FAMAC équité dans chambre député à Gladys Saint-Jean lundi invité gouvernement respecter commune information gouvernement député lundi expliqué c'est seulement 27% femmes qui fait partie quota ça pour qu'on y en a vite suivi un extrait dans micro Fedner confident. Article 17.1 constitution il clairement dit que depuis ou pays choisi monde qui pour occuper le fonction et le service public faut que ou tenir compte de 30% de femmes au moins et mais malheureusement depuis dans genre gouvernement est monté n'a arrêté qui était pour nommer ministre sous 18 ministres nous t'ai rendu compte que tu gagnais que 5 femmes qui représentaient exactement et 27% qui en deçà de et 30% de femmes que la Constitution exigeait, 30% de femmes au moins. Parce que l'un nous dit au moins, il est capable 40, il est capable 50, il est capable et 30, mais il n'est pas qu'un droit et aller et en bas 30%. Donc c'est constat ça nous fait, nous avons mais et que 5 femmes qui représentent exactement 27%. Et en plus, et pour les secrétaires d'État, il est clair que tu es nommé 4 garçons. Et donc, pas de femme là-dedans. Et journée jeudi à la Noé, exécutif la prend malin plaisir, a nommé un paquet de directeurs et généraux. Et malheureusement, pour l'instant, pour que j'aime une femme là dans tout ça, a nommé. Nouveau comité exécutif Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, fonction pendant une semaine si là. Cérémonie s'est déroulée dans le local parti en Delma 49 en présence de plusieurs cadres RDNP. Lionel Jean-Luc Moïse Ubrich a présenté un compte rendu en suivant ça. Après l'élection Rassemblement démocrate national progressiste RDNP était réalisé dans date 16 d'août passé, nouveau comité exécutif qui était élu dans l'élection ça a investi dans fonction le mercredi 26 d'août là. Actuel secrétaire général parti Eric Jean-Baptiste expliquer le renouvellement personnel politique et administratif dans mes temps partisan, c'est un exemple démocratique que toute partie a dû suivre. Secrétaire général Tournef RDNPA, Eric Jean-Baptiste, qui est conscient du gros défi qu'il a dans la tête partisan, promet de prendre le travail avec tout le membre RDNPA pour renforcer la structure politique ça, et puis préparer pour l'élection qui va venir. Président de RDNPA, Milan Dipolite Maniga, a profité de l'occasion pour émettre un certificat à chaque membre qui fait partie du comité exécutif Tournef ça. N'a pas toujours été dans le même dossier si là pour nous faire connaître le président d'honneur RDNP à Milan de Hippolyte Maniga continue à plaider pour capable de gagner l'autre constitution dans le pays, ancien secrétaire général qui t'a exprimé dans l'occasion de la cérémonie investiture si là. Critiquer façon chambre députée cap travailler sous dossier amendement constitution faire proposition qui pas respecter normes constitutionnelles yo dans ce sens constitutionnaliste là expliquer la peur continuer suivre avec en pile intérêt façon processus amendement constitution a dérouler. Collège canado-haïtien Paris pour capable célébrer 50 l'année existence li dans mois octobre cap proche là directeur collège là frère Nelson Augustin explique établissement scolaire ça a déjà formé plusieurs générations à former des garçons dans le pays et a continué de travailler pour capable renforcer l'éducation. Frère Nelson Augustin dit qu'il comptait organiser plusieurs activités pour capable marquer date là pendant qu'il fait appel à tout ancien élève canado pour participer ensemble avec lui dans la fête si là n'a pas vite suivre.
Pendant 50 ans qui sont passés, le Canada fait un peu le chemin. Il a formé un peu de génération, nous jouons une génération ça, dans tout secteur, dans plusieurs pays à travers le monde. Et nous avons un pile qui excelle, qui réussit la vie. Anessa, nous avons une année de festivité, côté que nous avons un pile projet qui réalisé pour que dans l'autre demi-siècle, ça nous va entamer, que c'est l'autre Canada avec le slogan liant quelqu'un belli, il était plus haut, il toujours plus fort, il voulait aller toujours plus loin. Là, nous disons plus haut, plus fort, plus loin, c'est pas que nous sommes en compétition avec l'autre monde pour nous dire nous plus haut, passé haut. C'est vos élèves là qui nous emmènent pour nous voir le plus haut, pour aller plus loin dans la salle café et pour nous être toujours plus fort parce qu'ils sont des gens qui sont en progrès. Nous sommes un établissement d'excellence, nous voulons qu'il y ait un objectif d'excellence, nous voulons mettre nous à l'avant-garde pour nous capables toujours rendre jeunes adaptés à monde que la vie la donne. C'est ça sens slogan que nous avons. Alors, pour la programmation 50e, nous avons tout ancien élève Canada qui a coûté nous là. Quelle que soit la génération, si vous faites quitter, si vous quittez depuis les années 70, venez joindre nous parce que nous avons nous. Nous avons tout en année, d'octobre 2018 à octobre 2019. Nous consacrons 12 mois pour nous faire des activités, pour nous capables de commémorer grandiosement 50 ans. Nous. Et dans la commémoration, ça tout, nous avons des projets ambitieux que nous avons réalisés. Et pour nous réaliser projet ça, nous avons que ancien yo là qui la cap garder nous sympathisant au monde qui aime belle bagaille qui là qui t'a voulu collaborer avec nous peu importe gens capable collaborer à venir si c'est Tortellus family qui gagner on voulait supporter nous financièrement d'accord si c'est en termes de talent que on gagne ou capable venir mettre expertise ou à disposition nous d'abord bienvenue nous t'a bien content accueillir tout ancien nous tout amis yo tout sympathisant yo pour capable aider nous réaliser trois grands projets. On a parlé dans l'actualité de nationale là pour nous faire connaître que Centrale américaine mettait dehors hier mercredi à taux intérêt pour troisième fois dans l'année pendant qu'il insistait sur le dynamisme de la première économie mondiale là qui était doué aller plus vite que ça a été prévu d'après un communiqué comité politique monétaire. Mettait dehors, on a permis de suivre. La réserve fédérale américaine plus optimiste que prévu. Pour la troisième fois cette année, la Fed a légèrement relevé les taux d'intérêt d'un quart de point, revoyant ainsi ses prévisions de croissance à la hausse. Ces taux se situent désormais dans la fourchette de 2 à 2,25%, soit 2 points de plus qu'il y a 10 ans. L'objectif étant à l'époque de relancer l'économie américaine après la crise financière. La Fed prévoit aujourd'hui une croissance de 3,1% en 2018, contre 2,8% prévu en juin dernier. Et c'est là toujours dans l'arrivée dans Boutlip pour matin, jeudi 27 septembre 2018. Là, mais avant nous aller, nous allons rappeler un point qui est fait essentiel. Président de la République, Moïse, a rencontré hier soir membre de la communauté haïtienne à New York, au Hilton Hotel, qui trouvait dans Spring Valley. Pendant la rencontre, le président de la République, Moïse, expliquait la communauté haïtienne ensemble le travail d'administration réalisé dans le pays. Premier ministre Jean-Henri Séan a organisé mercredi 26 septembre passé à deuxième conseil gouvernement li dans primature chef gouvernement renouvelé engagement pour faire appliquer déclaration politique générale li dans intérêt population. Jimmy Albert installé toujours pendant la journée mercredi comme directeur cabinet premier ministre Jean-Henri Séan, chef gouvernement exprimé confiance li gen dans capacité directeur cabinet pour faire travailler li attendre dans men li. Et puis à l'échelle internationale, la Banque centrale américaine mettait dehors hier mercredi un taux d'intérêt pour troisième fois dans l'année pendant qu'il insistait sur le dynamisme de la première économie mondiale là, qui était doué aller plus vite que ça a été prévu d'après un communiqué comité politique et monétaire mettait dehors. Nous te contents de voter pour la quatrième sortie téléjournal pour la semaine. Si là, on a souhaité tout pour nous passer une excellente journée de jeudi. On a cassé rendez-vous dans la prochaine sortie téléjournal. Là, mais on a invité à arrêter de brancher chaîne pour capable suivre cette programmation. Bonne journée tout le monde.